demandais, Marc-André, d'où t'es venue l'idée? Okay, en fait, à mon travail, je parlais de mon bal de finissant. Puis je disais comme quoi que j'avais pas de moyen de m'y rendre. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait essayé, lui, avec la police, mais qu'il avait appelé à la ligne d'urgence. Fait que je me suis dit, moi, je vais essayer par la page Facebook. Puis ben, finalement, ça marchait. T'es content du résultat? Ouais. J'en ai pas qu'une sur Miguel. Je me suis demandé si ça s'est passé comme tu pensais. Plus impressionnant. Oui? Ouais, je pensais pas que tout le monde serait là. Et le fait qu'on soit passé, en... tout le monde était des deux côtés, là, et ensuite, c'est vraiment impressionnant. Il y a quand même un message qui va pouvoir être passé aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Auquel tu adhères, dans le fond. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut faire attention. Parce qu'on se le cachera pas qu'on a été sensibilisés depuis notre secondaire 2. On a vu le documentaire Dérapage, particulièrement. Puis même à ça, ça change pas grand chose. C'est qu'à chaque fois, on se croit quand même invincible. Moi-même, partie. Je m'excuse pas. Bravo. N'oubliez pas, c'est une soirée mémorable pour le reste de votre vie. Je me rappelle dans mon bal et ça fait 32 ans. Ne faites pas partie de cette soirée un jour à aussi avec un incident malheureux. Alors, une fois encore, bravo et ayez du plaisir. Merci.